Kev Adams a tout d'un grand comédien aujourd'hui. Celui qui a démarré sur scène en 2009 a fait une belle carrière depuis en passant avec brio de One Man Show au 7e art puisqu'il est devenu une valeur sûre de la comédie française avec des films comme Les Profs, Fiston et Les Nouvelles Aventures d'Aladin. Très ami avec Gad Elmaleh, il sera très bientôt à l'affiche du film Maison de retraite aux côtés de monstres sacrés du cinéma à la star de Daniel Prévost et Gérard Depardieu. Un sacré casting qui a épaté ses fans. La semaine dernière, l'acteur qui prête sa voix à Gomez Adams dans le dessin animé La Famille Adams 2 était à l'honneur de la 6e édition du Festival du film de comédie de Liège dont il est le coup de cœur de l'année. Outre cette nomination, l'ex d'Iris Mittenaire a reçu un très beau cadeau de la part des organisateurs qui pourrait bien lui donner des rêves d'Amérique. Sur Instagram, le comédien qui se considère en surpoids a révélé à ses fans avoir reçu une plaque à son nom au sol qui n'est pas sans rappeler les étoiles sur Hollywood Boulevard à Los Angeles. Merci le Fifcle de Liège pour cet honneur. Avoir mon nom à tout jamais chez vous c'est juste dingue, écrit-il en légende avec un petit trait d'humour. N'hésitez pas à aller me marcher dessus. Que du love tout naturellement, ses fans se sont empressés de le féliciter en commentaire. Tu le mérites amplement. Trop bien, super fier de toi, c'est dingue. La grande classe Kev. Écrivent les internautes. D'autres imaginent immédiatement la suite, à savoir, une étoile à Hollywood. Trop beau, tu vis le rêve américain. La prochaine étape c'est Hollywood ou pas du coup? On est trop fiers de toi tu sais. Bientôt tu auras la tienne à Hollywood. À voir si ses fans ont raison.